polosa et simba lisute pour makam na moni kuna baton ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sang comme il faut place no always at sous te ah oyoki ay quitter polosa on na ba cha na kale na lomo na ke kuna na ke kuna là va on nous on en arrange non. Comment pour vraiment. Qui sait quoi? Et en plus, il y a des gens qui sont partout en Europe, dynamique, qui sont partout en Europe. Comment pour que mon salaire est commis partout? Partout. Tu es commis en Suède, tu es commis à Paris, tu es commis à Lille, tu es commis à Bruxelles, et puis base de la vie suédoise est toujours Londres, Angleterre. Bisson à dynamique Congo, deux ans pour avancer dans le colo. Très chers internautes, bienvenue, merci de nous suivre jeudi à Kinshasa, c'est un grand plaisir. Mesdames et messieurs, Forum des As, titre Martin Fayulu appelé à constituer sa propre base. Bruno Tshibala au gouverneur, dans l'adversité, sachez privilégier les intérêts de l'État. Élection des sénateurs, c'est 18 mai à Maïndombe et au Nord Kivu. Bientôt un stade pour Loupopo. L'avenir, Tshisekedi symbolise les changements. Jeannine Mabunda, favorable à l'amélioration du cadre général du travail de son administration. Élection de gouverneur et vice-gouverneur maintenue au 30 mai 2019, province de Maïndombe et Nord Kivu. Gentili Ngobila accorde 15 jours à la population de se retirer des emprises concernées. Voilà donc ce que l'on peut dire. Jacques Kiaboula, reconnu gouverneur de province, libre débat, annonce. Les prédateurs sont de retour, émissaire européen à Kinshasa. Et alors, mesdames et messieurs, parlons maintenant de l'actualité. Il est vrai, aujourd'hui, on peut tout dire ce que l'on veut, mais l'actualité reste Martin Fayulu, reste Lamouka, reste Fachi, reste Cash. L'actualité est aujourd'hui personnelle. On parle de la base de Martin Fayulu qu'il appelle maintenant à prendre ses responsabilités, à faire son chemin et donc à quitter la Mouka en d'autres termes. Ce n'est vraiment pas la totalité de la base, mais une très bonne partie des jeunes de la Ligue des jeunes de SID estime que Martin Fayulu doit quitter la Mouka pour faire son chemin parce qu'il est contredit, sinon il est alourdi par le coordonnateur aujourd'hui, Moïse Katumbi-Tchapoué. Mais la grande question que nous continuons à nous poser, c'est que, qu'est-ce qui se passe exactement au sein de ces ligues? Souvenez-vous, mesdames et messieurs, il n'y a pas longtemps, la Ligue de jeunes de Katumbi, d'ensemble, avait demandé à M. Katumbi de quitter à son tour la Mouka. Et ce n'était pas seulement la Ligue des jeunes, mais il y avait M. Mouyambo, il y avait M. Claude Lubaya, il y avait M. Baba Kyungu, ils ont demandé à M. Katumbi de quitter la Mouka. Mais jusque-là, le parti qui n'a pas encore dit son mot sur quitter ou sur le départ, c'est bien évidemment le MLC. Le MLC n'a pas encore, ne s'est pas encore prononcé sur la question. Madame Eve Bazaïba était très claire. M. Bemba continue sur la vérité des urnes. Il continue le combat de la vérité des urnes, même si M. Bemba lui-même ne l'a pas encore dit. Mais il y a un grand problème. Et bien, mais la grande question que nous n'allons pas nous arrêter à nous poser, c'est bien évidemment celle de la logique, encore une fois, de la plateforme Lamouka. Est-ce que la plateforme Lamouka, ce sont des questions que je me pose moi, est-ce que la plateforme Lamouka n'a pris en compte que les leaders et pas leur parti, ou la plateforme politique avait pris en compte les partis aussi? Nous sommes à Genève, avant les élections. Ils vont tous ensemble, ils s'entendent sur un point ferme, candidature commune de l'opposition. Ce monsieur Martin Fayulu qui est finalement plébiscité candidat de l'opposition. Mais on ne comprend pas par quel mécanisme la base de l'UDPS rappelle son leader en disant « Nous ne voulons pas de vous comme accompagnateur de Martin Fayulu, c'est vous qui devez être accompagné par Martin Fayulu. » Donc, quitte le clan Lamouka. Il faut quitter cette convention de Genève. Mais on se pose encore une autre grande question.
Mais qu'est-ce qui se passe après, à un moment donné, c'est finalement Vital Kamerhe qui lui aussi est interpellé par sa base. Et la base dit, on ne veut plus de toi. Et du coup, la notion de la base est bimi. Comme beaucoup, tu as base et qui a parti, il y a oh non, base à Nobi, base à Sengi. Et on a suivi tous les débats de la base. Il faut qu'on tourne à la base. Le 5 qui était resté, on se pose la question, est-ce qu'ils sont restés avec leur parti politique ou ils sont restés seulement en tant que leader? Parce qu'aujourd'hui, même avant d'ailleurs, le clan Katumbi commençait déjà à demander à M. Katumbi de quitter la Mouka. Alors je me pose une question, entre la foule et l'élite, qui suit l'autre? C'était déjà un problème au niveau de l'UDPS, un problème au niveau de l'UNC, mais aussi un problème au niveau des autres partis. À l'UDPS, ils ont trouvé une raison, ils ont dit non, chez nous c'est la pyramide inversée. Chez nous, c'est la base qui décide. Mais il y a quelqu'un, un auteur qui a dit, il s'appelle Gustave Lebon. C'était dans son livre « Hier et demain ». Gustave Lebon dit ceci. Le réel progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Mais ce à quoi nous avons assisté l'autre fois, c'était bien évidemment le contraire. C'était l'élite qui a suivi finalement la foule. Mais ça peut s'expliquer dans une logique normale quand on est dans un parti politique. Ici, on ne peut pas obliger le peuple de faire ce que le peuple ne veut pas. Et le peuple avait bien vu loin que son leader, malheureusement. Le peuple avait estimé que monsieur voulait se faire avoir par l'une ou par les autres, donc il fallait qu'il rompe finalement cette relation. Et vous avez entendu même, pour la première fois, un secrétaire général d'un parti puisse lancer l'ultimatum à son président, en disant « si tu ne quittes pas, on va te désavouer ». Et donc, monsieur a quitté. Nous sommes au niveau de la Mouka, c'est la même chose maintenant. C'est la jeunesse d'ensemble dont le président se trouve être un membre, et pas n'importe lequel, mais vraiment un sociétaire de la Mouka, à qui on demande de quitter la Mouka. Mais lui, il a réservé une fin de non-recevoir à ces demandes-là, à cette demande-là. Mais maintenant, nous évoluons. Ce n'est plus le tour de Martin, de M. Bemba, de M. Katumbi seulement, maintenant c'est le tour de M. Fayulu. On lui demande à lui aussi de quitter la Mouka. Va-t-il obéir? Va-t-il accepter? Et là, on ne sait pas. Mais plus n'est question de douter, l'on sent aujourd'hui une petite, je veux dire, froideur entre Martin Fayulu et Katumbi. On sent qu'il n'y a peut-être plus l'odeur, je veux dire, de sainteté, où il y a une petite note qui sort un peu plus, qui s'entend un peu plus que les autres, où il y a une petite zone de discordance qu'on ne sait vraiment peut-être pas clarifier et élucider. Mais le fondement de la question, c'est bien évidemment dans l'absence d'une idéologie convaincante, une idéologie normale. Et donc, on ne sait plus qu'est-ce qui va se passer. Regardez, M. Katumbi demande aux gens, venez me rendre compte, venez me retrouver le 20. Il sera là le 20. Je serai à Lubumbashi le 20. Et quand je serai là le 20, habillez-vous en blanc. Habillez-vous en blanc, venez me recevoir. Est-ce que l'arrivée de M. Katumbi rentre dans la logique de la Mouka? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui engage la Mouka. C'est lui qui l'engage politiquement. Et c'est lui qui l'engage sociologiquement. Alors, est-ce que M. Katumbi a encore, je vais dire aujourd'hui, aux yeux de ce qui se passe, a encore la légitimité? Est-ce que Martin Fayulu reconnaît la légitimité à la Mouka? Je le dis hier, est-ce qu'il se demande les autorisations pour faire des meetings au nom de la Mouka? Ou ils sont libres de faire ce qu'ils peuvent, mais quand ils rentrent au niveau de la famille, il faut discuter au niveau de la famille. Mais quelles sont les matières que l'on ne peut pas toucher sans l'accord du coordonnateur? Quelles sont les matières que l'on peut toucher avec l'accord du coordinateur? Parce que si le coordinateur ou le coordonnateur ne peut pas donner un point de vue ou ne peut pas interdire ou autoriser quelque chose, alors je pose la question, en quoi est-ce qu'on est coordonnateur? Donc ce sont finalement des questions que l'on se pose, peut-être qu'on n'aura pas de réponse. Mais j'aimerais faire réfléchir le Congolais sur un élément, Tobo Sanaramo Mingi. J'ai comme l'impression que M. Kabila est oublié par tout le monde aujourd'hui. Regardez, M. Bemba l'avait dit. Je vais dire un peu à peu près ce qu'il a dit. Kabila est un fils du pays. Il doit vivre comme tous les Congolais et contempler ce plus grand pays dont tout le monde rêve. Monsieur Bemba tient ses propos juste après qu'il soit relaxé de sa prison et après avoir été acquitté. Monsieur Bemba tient ses propos. Il dit non, mais Monsieur Kabila est un fils du pays. Bon, il n'a pas besoin de fuir, il a besoin de rester au pays pour contempler ce grand pays. C'est donc un Congolais. Monsieur Katumbi dit la même chose.
Pardon, mais oui, M. Katumbi dit la même chose. Je ne suis pas là pour... je vais essayer un peu de paraphraser. Il dit, je ne suis pas là pour voir ce que font les autres, mais je me concentre de ce que je fais pour le bien-être de ma population. Et il dit encore, moi, je viens pour une réconciliation nationale. Alors, quand on parle de la réconciliation, on n'a pas parlé de la réconciliation des partis politiques. Il a parlé de la réconciliation nationale. Ça veut dire qu'on ne va pas se regarder comme des problèmes, mais on va plutôt se regarder comme des gens qui ont failli à une histoire quelconque et qu'il faut maintenant nous réconcilier, nous mettre ensemble. Et donc, cette réconciliation prendra en compte la Kabylie, prendra en compte l'UDPS et prendra en compte la Mouka. Bref, prendra en compte toutes les couches politiques du Congo. Alors, en ce moment-là, ne peuvent prendre part à cette réconciliation que les Congolais. Et donc, si vous arrêtez de regarder celui qui vous a causé du tort comme un problème, alors en ce moment-là, nous sommes en train de parler d'une sorte de réconciliation et vous reconnaissez en lui qu'il est Congolais. Parce que M. Katumbi, il a déjà bien dit que la valeur d'un chrétien, c'est le pardon. Il a dit exactement ce que Fayulu avait dit. M. Fayulu l'avait dit si bien, déjà, que Kabila restera vivre à côté de ses frères, car c'est un Congolais. C'est lui qui l'a dit. Alors, mesdames et messieurs, moi, je me pose toujours la question. Vous, en Europe, qui parlez occupation, 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 vous brandissez tellement cette casquette-là de l'occupation. Mais les leaders que vous accompagnez ne reconnaissent pas qu'il y a occupation. Je me pose une question, ça veut dire quoi? S'il y a occupation, mais il faut indexer ceux qui ont permis l'occupation. Moi, je le dis sans avoir peur. Ceux qui ont permis l'occupation au Congo, c'est l'AFDEL. L'AFDEL est devenu le PPRD. Le PPRD est devenu le FCC. Mais pourquoi vos autorités, ceux qui sont là, n'arrivent pas à le dire? Pourquoi ils n'ont pas le courage de dire la vérité aux Congolais? Que si nous sommes occupés aujourd'hui, l'occupation ne commence pas avec Kabila. Il faut le dire, il faut dire la vérité. L'occupation a commencé même bien avant notre indépendance. Bien avant l'indépendance, le plan de l'occupation était déjà préparé. Quand les gens étaient à la table ronde, ça on ne le dira pas aux Congolais peut-être, quand les gens étaient à la table ronde, il y avait une autre table ronde qui s'est passée. Qui s'était passée d'ailleurs bien avant, c'était à Bruxelles, ils s'étaient dit ceci en d'autres termes. Empêchons aux Congolais de gérer leurs terres. Empêchons aux Congolais de prendre des décisions qui vont concerner et impacter leur vie. Et parmi les considérations qu'ils avaient, les résolutions pardon, qu'ils avaient trouvées, ils s'étaient dit ceci. N'importe qui sera président au Congo, surtout en RDC, doit impérativement travailler avec les voisins. Pas dans le sens du bon voisinage, non, mais dans le sens de l'aliénation. Et parmi les mesures, il y avait un blanc parmi eux qui avait proposé, lui, ceci. Faisons en sorte que tous les présidents aient pour conseillers principaux quelques membres dont la nationalité n'est pas forcément congolaise. Et ce plan a été bien concocté depuis très longtemps. Ça commence avec Mobutu. Ça commence avec Mobutu qui, finalement, son directeur de cabinet, n'était pas congolais. Ça descend finalement jusqu'à Laurent Désiré Kabila. Alors là, à ce moment-là, c'est vraiment l'armée. C'est vraiment la ceinture de l'armée qui n'est pas congolaise. À l'époque de Joseph Kabila Kabange, c'était la même chose. Et maintenant, c'était vraiment une grande popularité encore des gens qui ont atteint d'autres couches. On parlait de la DGM, on parlait des régies financières. Je parle de régies financières, je veux dire, hein, des régies financières. On parle des régies financières, on parle de l'administration publique, au niveau des hautes sphères, des gens dont les nationalités étaient douteuses. Alors, c'était bien pour semer la confusion dans la tête des gens. Il fallait faire comprendre aux Congolais que non, vous ne pouvez pas gérer seul, votre pays est très grand. C'était la logique qu'on disait aux autres. Vous ne pouvez pas gérer seul, votre pays est très grand. Et si vous continuez dans ça, vos propres frères vous envient, ils sont méchants, ils peuvent vous faire du mal. Il faut vous faire entourer par des autres personnes qui auront peur de vous. C'est ce qui s'est passé en Libye avec Kadhafi. Mais et moi, je ne le dis pas seulement moi, même le président Alpha Condé, monsieur Alpha Condé a reconnu qu'on leur a toujours demandé de prendre leur sécurité, les militaires qui sont censés sécuriser le président. Monsieur Alpha Condé a dit à la télévision qu'on nous a demandé de prendre d'autres personnes, de prendre d'autres nationalités pour qu'ils nous protègent. Et monsieur Alpha Condé avait cité quelques présidents. Il avait cité le président de Brazzaville, il avait cité Joseph Kabila, il avait cité Mobutu. Il avait cité Kadhafi, il a cité beaucoup d'autres présidents qui n'avaient autour d'eux que des gens étrangers. Des étrangers pour leur garde. Vous avez suivi un documentaire en France, un documentaire diffusé à la Planète Télévision, au groupe Planète, où l'on a parlé des médecins qui finalement soignaient et traitaient Kadhafi, n'étaient pas libyens. Pourtant, la Libye avait des médecins. Mais on lui a dit non, si tu te laisses traiter
soignés par le médecin libyen. Ils vont te faire du mal, ils vont te tuer, ils peuvent même t'anesthésier. Au point que bon, c'est vrai que l'on peut dire que c'est un coup de média, mais ça reste quand même une sorte de venin inoculé par l'Occident. L'Occident a toujours inoculé ces venins-là auprès des chefs d'État africains pour leur dire ne travaillez pas étroitement avec vos frères, travaillez plutôt avec ceux qui sont dans vos pays voisins, parce que eux, vous allez facilement les contrôler. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce sont eux qui proposent ces gens-là. Et quand ils vous proposent, ceux qui viennent à côté de vous ont un agenda caché. Leur agenda, c'est quoi? Infiltrer la nationalité d'abord. Comme vous êtes les directeurs de cabinet, donnez plus la nationalité à vos frères, qu'ils viennent ici, qu'ils deviennent des Congolais. Et vous avez vu les plans jusqu'aujourd'hui. Vous avez des Congolais, des Rwandais, Congolais, Burundais, Congolais, Zimbabwéens. Et on le retrouve dans notre armée. Notre armée aujourd'hui a certains Zimbabwéens qu'on ne saura peut-être pas. Et il n'y a pas que les Rwandais, il y a les Zimbabwéens, il y a les Tchadiens, il y a beaucoup que Kabila le père avait amené dans sa gibecière. Et donc vous vous rendez compte que nous sommes vraiment piétinés, nous sommes à un moment donné dominés de l'intérieur. La possibilité de l'occupation n'est pas un rêve, l'occupation est réelle au Congo. Mais notre occupation est jumelée, nous avons une occupation rwandaise, une occupation occidentale, mais la plus grande et la plus terrifiante occupation, c'est l'occupation de l'ignorance qui finalement caractérise la pensée congolaise. Et malheureusement, cette occupation de l'ignorance a atteint, le summum de l'imaginaire de l'homme politique congolais. Et vous sentez quand un homme politique parle, mais il parle avec toute enfance politique, avec une immaturité légendaire. Et c'est là le plus grand problème, mesdames et messieurs. Mais quand les gens racontent ce qu'ils veulent raconter, mais je ne comprends plus rien. Quand un peuple, quand les dirigeants banalisent le problème, quand les dirigeants arrêtent de voir que le monsieur qui représente un problème n'est plus le problème, alors c'est fini, c'est une mort déjà. Alors maintenant, pourquoi ça gêne autant quand c'est Félix qui dit, Félix Tshisekedi qui dit, Kabila Joseph est un Congolais. Pourquoi ça gêne aujourd'hui? Quand Bemba reconnaît qu'il est Congolais, Matungulu reconnaît qu'il est Congolais parce qu'il a travaillé avec lui. Monsieur Bemba reconnaît qu'il est Congolais parce qu'il a travaillé avec lui. Monsieur Katumbi a travaillé avec lui. Mais finalement, tous ceux qui sont à la Mouka ont travaillé avec Kabila. Et tous reconnaissent que Kabila était Congolais. Ils reconnaissent ça. Mais pourquoi ils n'ont pas le courage de dénoncer? Est-ce que vous avez déjà entendu parmi les 5 leaders de la Mouka un d'entre eux dire que non, c'est un Rwandais? Un seul. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes sérieux parce que tous, à un moment donné, ils ont travaillé avec eux. Et quand ils ont dit qu'il n'était pas Congolais, en réalité, c'était parce qu'il n'était pas, avec eux. Et donc, ce que nous reprochons aux autres, reprochons-le aussi à tout le monde. Félix Tshisekedi, c'est son père qui disait depuis tout le temps que Kabila est Rwandais. Et même quand il voulait aller dans cette histoire de la Réunion et tout, il gardait dans la tête que Kabila est Rwandais. C'était ça la logique de M. Étienne Tshisekedi. Mais la logique de Félix Tshisekedi, si vous vous rendez compte, depuis très longtemps, il ne disait pas qu'il était Rwandais. Je peux me tromper. Mais il ne disait pas que Kabila était Rwandais. Il a reconnu la nationalité de Kabila depuis très longtemps. En tout cas, j'insiste, je peux me tromper. Parce que dans ce monde, on sait, tout est prévisible. Peut-être que vous avez une vidéo où Félix Tshisekedi traite Kabila des Rwandais. Peut-être que vous l'avez, mais moi je ne l'ai pas. Si vous l'avez donné, moi je comprendrai. Mais même alors, il a reconnu que Kabila était Congolais. Alors on l'a accusé de tout. Il est traître. Mais pourquoi vous n'avez pas le même courage de traiter ceux qui traitent aujourd'hui Kabila de Congolais, qui sont traîtres? Parce que finalement, tous sont traités Kabila des Congolais. Et donc tous disent non, le problème ce n'est pas lui. Le problème, ce n'est pas lui. Bon, dépasse, laissons tomber, allons-y. Vous voyez là où ça marque, là où ça commence à déranger un peu. C'est là où ça commence à déranger un peu. Mesdames et messieurs, le Congo est menacé depuis très longtemps. Et le Congo a été toujours infiltré depuis très longtemps. Mais il faut qu'un homme se réveille pour dire, il faut arrêter ça. Mais comment on arrête ça? Il faut d'abord comprendre notre espace géographique. Il faut d'abord commencer à comprendre notre espace géographique. Je peux vous le dire, mesdames et messieurs, sincèrement, lorsque vous allez par exemple en Israël, lorsque vous allez en... Même ici, pas loin d'ailleurs, en Zambie. Lorsque vous allez en Zambie, vous allez en Namibie, vous allez dans beaucoup de pays africains. Et un peu même en Israël, si vous allez vous allez vous rendre compte qu'ils ont une autre conception du Congolais. Nous sommes encore en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu un problème... Vous avez entendu, non, c'était au Sénégal. Et c'est un monsieur qui dit, à la télévision, il dit non. Nous ne voulons pas de président étranger ici. Si vous voulez des présidents étrangers ici, ce n'est pas le Congo. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire quoi ici, ce n'est pas le Congo?
Ça veut dire que le Congo est un pays de n'importe quoi, est un pays où tout peut se faire, où n'importe qui peut se prévaloir être leader, n'importe qui peut raconter ce qu'il veut, ce qu'il veut de sa vie. Je pense humblement que si nous voulons régler la question de l'occupation au Congo, nous devons d'abord commencer par regarder qui est nation, qui est congolais et qui ne l'est pas. Qui est congolais et qui ne l'est pas. J'avais donné l'autre fois une philosophie, comment ça peut se passer, comment ils ont pu, comment ils ont fait pour nous mettre à terre. Et donc, point de besoin de revenir sur cette question, sur cette question-là. Et donc, comme je le disais, Martin Fayulu est appelé à constituer sa propre base. Maintenant, jusqu'où ça va aller? La jeunesse de les CID, une partie, estime que M. Martin Fayulu doit faire son propre chemin. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas arrêter le combat de la vérité des urnes. Oui, la question c'est jusqu'où ce combat va-t-il aller? Quel est le scénario qu'ils pensent que ça peut marcher? Le scénario de la résistance, je vous dis déjà ici, mesdames et messieurs, il n'y en aura pas. Les gens vont dire, mais tu es trop tranchant. Non, je vous dis qu'il n'y en aura pas. Parce que, regardez, M. Martin Fayulu est chez lui. Il est seul dans sa logique de combat des urnes. Aujourd'hui, M. Martin Fayulu pèse beaucoup plus que Mozito. Personne ne peut le contredire. Il pèse beaucoup plus que lui. Donc, M. Martin Fayulu, quand il dit, nous voulons la résistance. Mais pour que cette résistance soit consolidée, il faut que le clan Lamouka l'accompagne. Il faut que le clan Lamouka soit derrière lui. Parce que vous allez vous-même constater le plein que Katumbi va faire à Lubumbashi. Vous allez vous-même vous rendre compte. Ça sera un plein, alors un trop plein. Les gens vont l'accueillir de façon dont vous n'avez jamais compris. Les gens l'accueilleront. Et s'il va à Kisangani, les gens vont l'accueillir encore. S'il va dans tel endroit, les gens vont l'accueillir. Vous allez voir les mêmes personnes qui sont allées accueillir M. Martin, les mêmes personnes vont aller accueillir M. Katumbi. Ainsi, ça va taire la question de plein. Ça va finalement subjectiviser cette question de plein. Et l'on comprendra en ce moment-là que ce n'est pas parce que vous faites un plein que le peuple peut vous accompagner pour faire autre chose. Ce n'est pas parce que les gens viennent suivre le match de Vita que si Vita dit « Allons à la rébellion » que les gens suivront. Non. Ce n'est pas parce que les gens viennent remplir le stade quand ils viennent suivre le pasteur, un pasteur quelconque, que si le pasteur là demande à ces gens-là « Bon, de toute façon, allons-y dans la rue, on va marcher pour ça. » Ça ne marchera pas. Regardez la popularité que l'Église catholique a au Congo. Mais le jour où l'Église catholique a demandé aux gens de marcher, mais il n'y avait pas tout le monde. Il n'y avait pas tout le monde. C'était plutôt une histoire d'un tiers des gens qui composent l'Église catholique. C'est pour dire que les gens vous suivent, oui, pour un but, mais quand vous leur demandez de faire autre chose, ils peuvent refuser aussi. Ils peuvent refuser. Et vous allez voir Makatumbi dans Katanga, ça sera la même chose. Et donc la logique déjà de la révolution, je ne sais pas moi, résistance, ça va être déjà dissoute parce que ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que Katumbi n'est pas dans la logique de la résistance. En tout cas, pas du tout. Katumbi n'est pas dans cette logique-là. Et Martin restera finalement seul. Or, la faiblesse est où? La faiblesse est que si Martin continue à appeler les gens à la vérité des urnes, ça risque de devenir une chanson que l'on a toujours entendue. Et ça risque de devenir un refrain. Mais par contre, si Martin Fayulu essaye d'aller un peu plus loin sur la question de la vérité des urnes, en moralisant beaucoup plus son débat, en montrant aux Congolais, bureau par bureau, comment cela s'est passé, en montrant aux Congolais que voilà ce qui s'est passé, c'était ça, 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 mais tout en sachant que ces mêmes peuples-là, même si vous lui dites qu'on m'a volé de voix, on m'a fait ceci, le peuple va dire, bon, de toute façon, celui qui est au sommet, c'est notre frère congolais, on ne va pas brûler la maison parce que notre frère est là. Et donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer l'élection prochaine pour voir ce que ça peut donner. Bon, maintenant, les enjeux de 2023 restent encore très ouverts. Les enjeux de 2023 restent ouverts. Ça veut dire que Katumbi prendra part à ces élections-là, M. Fayulu prendra part à ces élections-là, et nous nous battons pour que M. Bemba aussi revienne et qu'il pète lui aussi, qu'il fasse partie de ces élections-là. Alors, dans ces cas-là, déjà, il y aura trois candidats phares qui vont se rencontrer et pouvoir, comment vont-ils faire pour changer les choses? Parce qu'en ces moments-là, ça ne sera plus Martin Fayulu qui sera porte-étendard, étant donné que Bemba sera là, étant donné que M. Katumbi sera là. Et il n'y aura plus une majorité, non, majorité présidentielle, mais ce n'est plus le cas. Ça ne sera plus le cas. Parce que même si le FCC et le CASH coalisent pour aller aux élections, ça ne sera pas un candidat du FCC qui sera candidat président de la République. M. Félix Tshisekedi, sauf la grande surprise, va finalement postuler
à sa propre succession. Ça veut dire qu'il voudra être président aussi, peut-être pour deux mandats. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Vous allez voir le scénario que le FCC va lui aussi ne pas accepter que ce soit Félix Tshisekedi, sauf si les problèmes persistent et qu'ils ont toujours besoin de la couverture de Félix, comme c'est le cas maintenant. Ils peuvent dire, bon d'accord, avalons nos problèmes, allez, laissons M. Félix briguer un deuxième mandat, et puis après on va revenir. Et donc vous aurez comme ça, d'un côté, M. Katumbi, candidat, M. Fayulu, candidat, M. Fayulu, candidat, M. Bemba, candidat, et puis les autres des candidats aussi, peut-être M. Fayulu aussi. Et en même temps, vous aurez M. Félix Tshisekedi, candidat, et s'ils ne s'entendent pas avec Vital Kamerhe, Vital Kamerhe peut être aussi candidat. Donc vous aurez finalement les membres de l'opposition, de l'ancienne opposition, qui vont finalement aller à la course à la présidentielle pour finalement devenir président. En ce moment-là, l'attente va être difficile. Vous allez vous entendre pourquoi, contre qui et comment. Parce qu'ils vont tous vouloir devenir président. Alors donc, ce qui veut dire qu'on aura à la présidentielle 2023 peut-être 7 ou 10 candidats. Peut-être 7 ou 10 candidats. Si la chance est du côté de Félix Tshisekedi, ça veut dire qu'on organise une révision constitutionnelle permettant le deux tours, ce que moi je ne souhaite pas à Félix Tshisekedi pour l'instant. En tout cas, cette révision constitutionnelle, je la trouve inopportune pendant ses mandats. Je demanderai par contre au président de penser à une révision constitutionnelle le mandat prochain. Le deuxième mandat, s'il gagne, bon, c'est en ce moment-là qu'on peut penser à la révision. Mais pas ce mandat, parce que les gens du FCC doivent d'abord payer pour ce qu'ils ont fait. Ils doivent d'abord payer, subir les atrocités. Ils doivent d'abord subir ça. Ils doivent d'abord subir les conséquences d'une manipulation constitutionnelle. Il faut qu'ils subissent ça. Et moi, je demande au candidat, pardon, au président de la République, Monsieur le président Félix Tshisekedi, n'abandonnez pas. Ne permettez pas qu'il y ait une révision constitutionnelle. C'est vrai, toutes les possibilités sont là. Et même si on y va, que cet article-là ne change pas. Pas de détour avant le deuxième mandat. Il faut qu'ils sentent d'abord ce que c'est. Maintenez le cap à ce point. Nous allons modifier la constitution selon qu'on va estimer les articles importants. Et les articles que eux ont changés pour protéger leur pouvoir, nous allons garder les mêmes articles. Comme ça, ils vont sentir ça dans leur chair que la constitution, on ne blague pas avec ça. Pour que prochainement, quand quelqu'un sera président, qu'il se dise, ah, il ne faut pas tailler les lois à notre mesure, parce que tôt ou tard, ça peut nous rattraper. Quand ils manipulaient la Constitution, quand ils traumatisaient la Constitution, quand ils séquestraient la Constitution, et même étranglaient la Constitution, ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas que ça fait mal. Alors, il faut le laisser d'abord subir ça un peu, et puis on va voir ce que ça va venir au deuxième mandat. Donc, si on revise la Constitution, de toutes les façons, même si on revise la Constitution, ça ne va pas nous déranger dans la mesure où nous avons tous les moyens possibles pour faire passer nos lois à nous. Les gens disent, oh, là, il y a la majorité, ne vous en faites pas, mesdames et messieurs. Ne vous en faites pas. La majorité au Parlement, là, c'est une majorité mécanique. Ce n'est pas une majorité idéologique, c'est une majorité mécanique. Et une majorité mécanique, on la fait sauter comme vous n'avez aucune idée. Et on peut la faire sauter. L'avantage avec une majorité mécanique, c'est qu'on peut la faire sauter à distance. On n'a même pas besoin d'approcher. Non, il y a les dynamites qui sont déjà placées. On va la faire sauter sans aucun problème. Il suffit que M. le président Félix Tshisekedi suive les conseils. Si seulement il écoute les conseils des autres, ça va aller. De l'autre côté, il n'a rien à recevoir là-bas. Lui, il doit écouter que la science. Et nous, on va dire au président, si tu veux gagner ce mandat, bien, triompher, voilà le point à faire. Et donc, vous, comme je le dis, vous aurez maintenant comment ça va se passer. Et comme Félix Tshisekedi sera déjà président élu, et que les autres seront des candidats, vous allez vous rendre compte qu'il y aura vraiment un jeu assez démocratique qui va se passer. Mais le FCC, lui, ne pourra pas se présenter. Parce que même si le FCC se présente, ils ont déjà un bilan qui n'est pas passé dans la tête des gens. Ça ne passera pas. Bon, ça dépendra aussi de la communication que M. Félix fera de son mandat aussi. Ça dépendra de comment il va jouer, comment il va jongler ses jeux. Voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui. Et je crois que il est temps de comprendre, de lire la loi, de comprendre la loi et surtout les enjeux du pays. Où va la Mouka? Jusqu'où la Mouka va finalement aller, quoi. Est-ce que dans 6 mois, on aura la même chose? Parce que dans 3 mois, ça va finir. C'était 6 mois, je crois, hein, une histoire de semestre ou trimestre, je ne sais pas. Mais on va voir ce que ça va donner. Voilà un peu, donc, en somme, ce qu'on allait dire. Sans oublier la perte de 10 000 dollars de Madame Bazaïba. Et se raconte que Madame Bazaïba
a perdu 10 000 dollars. Qui a pu voler les 10 000 dollars de Mme Bazaïba? Ils étaient combien et qui l'a volé? Voilà la question qu'on se pose. On se retrouve très prochainement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Abonnez-vous très massivement. Abonnez-vous. On est déjà à 35 000. C'est un honneur. Abonnez-vous. Les Chinois, les amis chinois, Hin Hong, on se retrouve avec vous dans peu de temps pour discuter. Et puis les autres amis, nous ne faisons qu'attendre vos invitations, vos demandes. On est là pour vous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron, Apollo, ça. Et si mal souté. Pour moi, comme mon amour, Baton va travailler dans Zambé. En tout cas, bah, si baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres sang comme il faut. Place nous à Ouesa et Soussouté. Ah? Oyogi, allez, quittez! Polo ça, on est là, bah, tiens, na kane, na l'homme, na kekuna! Na kekuna! Là, va! Ah! Ah, 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 on nous a mis dans la range, non? Comment, ok? Ah, aïe, n'y a pas de caca. Vraiment. Qui ça? Mm-hmm. Et en plus, il y a des gens qui sont partout en Europe, dynamique, qui sont partout en Europe. Maman Coquette, mon salaire est commis sur partout. Tu es commis en Suède, tu es commis à Paris, tu es commis à Lille, tu es commis à Bruxelles. Et puis, base, la vie suédoise est toujours Londres, Angleterre. Puis, on a dynamique Congo, tu as avancé dans le colo.